De vue de la coopération bilatérale ainsi que sur le plan du développement de la République démocratique du Congo, cette réunion tenue par Raymond Tshibanda Tonga Mulongo, ministre des Affaires étrangères, on a noté la présence remarquée des ministres des Finances Henri-Yves Moulong, des Mines Martin Kabouloulou, du gouverneur de la Banque centrale du Congo Deo Gracias Mutombo et de l'ambassadeur de la RDC en Chine Jean-Charles Okoto de Lacombe. La réunion de ce jour avait pour objectif d'adopter la feuille de route définissant les principaux axes d'action à mettre en œuvre en vue de la matérialisation des projets dans plusieurs secteurs retenus comme prioritaire par les deux parties, à savoir la paix et la sécurité, l'industrialisation, les infrastructures, l'agriculture, la culture et les relations humaines, ainsi que les commerces. Notons les bonnes dispositions de la partie chinoise à coopérer avec la RDC, aussi bien d'État à État, à travers les entreprises, que sous forme de coopération décentralisée entre provinces, municipalités congolaises et chinoises. Elle a par ailleurs recommandé la mise en place d'un mécanisme structurel de suivi de la coopération sino-congolaise afin de matérialiser les différents projets évoqués lors de la visite de Joseph Kabila Kabange, des retombées qui, mis en œuvre efficacement, pourront accélérer la transformation de la République démocratique du Congo, conformément à la vision de la révolution de la modernité, idéologie de Joseph Kabila Kabange.